Pendu. Allez, c'est parti pour une session toujours au même endroit, à la recherche des truites, de l'eau haute, assez froide. On espère qu'Alexis a décroché une truite au leurre souple juste en bordure en arrivant. J'étais pas encore à l'eau, j'étais encore en train de sortir ma canne de la voiture. Et on va essayer d'en faire encore quelques-unes. Mais par contre, là, une fois loupé. Ah oui, décroché même. Ça passe. Oh, loupé. Ouais, ouais, loupé, loupé, loupé. Vas-y, essaye-toi, loupé, loupé, moi. 100%. J'ai bien senti. J'ai bien, bien senti la côte. Coquille. Elle a tapé à la fin, moi. Poisson. Ah, oh, décroché. Hein? Oui, elle était petite, mais décrochée quand même. C'était poisson, ça. Non, continue un peu au leurre souple, je pense. Essayer de tirer au maximum vers la bas, même dans la veine, hein. Ça peut être bon le bas de la veine. Hein. Moi je pouvais pas. Et même le petit contre-courant là. Viens à ma place, descends un peu. Oh. Avec ce qu'il y a... Poisson ? Oh, tu l'as la grosse, t'as la grosse avec... Décroché ? Décroché. Je croyais que je filmais pas, mais je filmais. Eh, t'avais le lancer parfait. Elle était jolie celle-là. Elle faisait ses 40, hein. Allez, réessaye. 35, c'était la 35. C'était la grosse qu'on avait repérée, là. Réessaye. Il y avait deux autres. Trois autres. Ouais. Par contre, là, pour la sortir, ça aurait été tendu. Hein. Loupé. Ouais, ouais. Elle n'explique pas. Elle tape pas, franchement. Joli, ouais, c'est carrément, c'est grosse fario, c'est monstre, c'est arc monstre. Elle veut pas rentrer. Wouhou, 50, ouais, 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 ouais. Souple, hein, elle l'a aimé le petit souple, elle a pris tarif. Ouais, je pense qu'elle est pas loin.
peut-être pas à 50, mais elle est tout à fait correcte. Je pense qu'elle elle doit être à 50 pieds à peu près. Mais aussi longue que la photo que vous avez fait là. Ouais. Au moins autant, ouais. Hop. Tu le fais avec ton téléphone? Ouais. Décroche-la si jamais. Voilà les gens, une bonne heure piquée à ras de la gueule. Wouh. Ouais, je sais pas si elle est à 50, mais elle doit pas être loin. Hein. Attends. Oh. Dépêche-toi. Ouais, non, mais elle est relativement belle. Hein. Oui, après, ouais. Attends, hop là, reste au bord ma coquine, oxygène-toi bien. Elles sont roses quand même, les autres. Ouais, non, elles sont bien roses. Hop là, vas-y, je te laisse passer. Elle est là, je ne veux pas l'écraser. Elle est partie. Yes, 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 tu veux pouvoir raccrocher. Je l'ai. Une pitchounette. Ça fait combien? Vingt-quatre et demi. Poisson, joli. Ouais. Oh putain, pour la faire sortir elle, ça va être tendu. Ah, elle est belle. Oh. Ah. Elle est dans le jus. Ouh. C'est bon. Il a fallu que je bride comme un porc pour essayer de faire la sortir elle. Oh, ça va le faire. Yes. Ça fait combien ça? 32, je pense à peu près. T'as de quoi mesurer exact? Je suis pas bon. On va vérifier. 33. À 1 cm près. Alors. Ma coquine, il va falloir que tu me le rendes lui. Ah. C'est pas méchant hein. J'ai pas fait la photo mais bon. Oh mais je m'en fous, hein. J'ai filmé. Je suis bon pour changer de l'heure, le Black Minnow il est mort. Une truite il est mort. Poisson, c'est pas vilain. Ouais. Yes. Merci. Un beau poisson. Hop là. Voilà, avec des magnifiques points rouges. Hein. Superbe. Regarde ce bec qui est en train de se former là. Un petit bécard. Fait combien? Hop. 30. L'autre est arrivée là. Elle est à 32, elle est à 30. Allez, petit bécard, repart. Touche la raccroche. C'est bon.
Ah, j'en avais une. Elle est juste là. Dommage. Ah, j'en avais une. Ah. Oh. Tu as loupé ma cocotte. Tu l'as loupé. Je vais pas te louper deux fois moi. Encore une de loupée, quoi. Elle était 30, celle-là. Elle faisait 30. Et cette fois, je l'ai. Et ça, ça m'aille. Yes. Voilà, leur souple, arme fatale. L'herbe est mouillée, vous inquiétez pas, ça crée rien. Voilà, un poisson de 30. Un joli poisson de 30 qui a bien coffré le leur souple. On mesure sur la canne. Hop, et elle arrive ici. Ok, allez, hop. Yes. Même technique. En fait, je lance le leurre souple. Je laisse descendre un peu au fond. Je donne un peu de mou puisque je pêche en fait en descendant. Et je retiens un petit peu le leurre dans le courant. Je garde le fil entre mes doigts. Enfin, je remonte en dandinant le long de la berge parce qu'elles sont vraiment dans la berge. Comme l'eau est très haute et très froide, elles sont à ras du bord et il faut les chercher au bord. Oh, loupé! Je l'ai vu. Je loupe vraiment toutes. Bah, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à prendre franchement le leurre. Il y en a beaucoup qui le tamponnent par pure agressivité. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le prendre franchement.